Hey les amis, je vais vous présenter tous mes jeux PS4, c'est parti! Bon, j'ai pas que ça, hein, tout le reste est là, bon. J'ai juste pris une petite pile. Pour commencer, on va commencer par mes préférés. Le Spyro. Donc Spyro Trilogy, donc il y a les trois versions qui étaient sorties sur PS1 à l'époque. Donc un jeu très top pour petits et grands. Ensuite, j'ai Rayman Legend. Un très bon jeu pour petits et grands également. Et je dirais de même pour ce jeu-là, Ratchet & Clank. J'ai Gravel. Projet Cars 2. Dirt Rally. Et j'ai ce jeu-là que je n'ai pas testé. Et en plus, il y a la version VR, je me demande ce que ça donne. Mais je ne possède pas actuellement le casque VR. J'ai aussi Resident Evil. Donc pareil, avec la VR, ça doit être trop bien, ça doit trop faire peur là du coup. J'avais suivi les lives de GusDX Gaming et il avait joué à ce jeu-là du début à la fin, c'était top. Il y avait joué en VR en plus. On le voyait flipper et tout, c'était trop marrant. Donc ouais, GusDX, c'est un YouTuber que j'adore, je vous conseille. Il fait pas que du gaming, hein. Mais il a aussi une autre chaîne pour des enquêtes paranormales, donc c'est super. Où il poste toutes ses enquêtes paranormales. Donc du coup, c'est des enquêtes sérieuses, quoi. C'est pas de la fiction pour se faire peur ni rien. C'est pris au sérieux, quoi. Du coup, sur sa chaîne gaming, il fait surtout des jeux horreur. J'ai également Metro. Alors lui, j'ai pas fait long feu, hein. Je suis déjà bloqué, je l'avais testé, je suis déjà bloqué. À même pas 10 minutes du jeu, hop, bloqué. Il est dur, hein. C'est pas trop pour les Peter Pan ces jeux-là, 18 plus. J'ai Need for Speed. Donc ça c'est bien ça avec la police qui poursuit et tout, c'est des jeux super. J'ai Skyrim. Je pense pas que je l'avais testé encore. C'était un cadeau d'anniversaire que m'avait fait un copain. Et puis un grand classique, hein. Voilà, GTA. Donc lui, il fait partie de mes jeux préférés aussi. Sur tout ce que j'ai là. Après, plus tard, je ferai aussi des vidéos top 10, tout ça. Des jeux que je possède. J'ai aussi celui-là, mais celui-là je l'ai pas testé. Donc ça doit être un jeu d'aventure. J'ai un autre Need for Speed Playback. Et un jeu top, top, top. Je le mettrais au même niveau que GTA et Spyro dans mes préférés. C'est mes trois préférés de tout ce que j'ai là. Après, des jeux PS4, hein, comme vous pouvez le voir, j'en ai pas tant que ça. Hein. Et j'en ai zéro en démat. Je suis plus Nintendo Switch en fait. Donc voilà comment se présente un peu le jeu. Voilà. Donc en gros, c'est un remake des Crash Bandicoot qu'il y avait sur la PS1. Donc pareil, je recommande pour petits et grands. Par contre, je sais pas pourquoi il y a écrit 12 plus, ça me paraît pas si ouais,
Bah apparemment c'est pas trop pour les enfants alors. Du coup c'est plus à partir de pré-ado, 12 ans, voilà. Attends, c'est pas un jeu, je pense, très violent, on dit rien. Ah, apparemment il y a des insultes, voilà, c'est pour ça. Ok, bon. Mais je l'ai. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le tester. Ça, c'est chiant, ça, c'est frustrant. J'ai trop envie de le faire. Mais les gars, je vous promets, on fera ça en stream. Et voilà, déjà fini. J'en ai vraiment pas beaucoup du jeu PS4. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner, à mettre des commentaires, tout ce que vous voulez. Voilà. Et on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!